top 10 des Pokémon les plus forts. Le 10e, le trio du Tao, la fusion de Reshiram, Zekrom et Kyurem. Le trio du Yin, du Yang et du Ki est le point de départ de ce top 10. Le trio du Tao est la seule et unique fusion de Zekrom, Kyurem et Reshiram. Ces trois parties du Pokémon légendaire original sont assez fortes individuellement, mais si l'on considère leur puissance combinée, leur niveau est supérieur à 9000, ce qui est extrêmement puissant. Je dois souligner que ce Pokémon est l'un des plus puissants jamais créés. Il a quand même été à l'origine de la création du royaume Nice. 9e, Regigigas, le titan légendaire. Regigigas est un Pokémon légendaire. Ce Pokémon est connu pour avoir tiré les continents à travers les océans. Imaginez la puissance nécessaire pour y parvenir. Il l'a prouvé encore plus en faisant cela alors que Kyurg et Groudon, deux autres légendaires, gardaient la terre et la mer. 8. Lunala et Solgaleo. Aussi différent que le jour et la nuit, Solgaleo donne une toute nouvelle signification au titre de Dieu Soleil. Et bien que Lunala ne soit pas très forte au niveau de la Lune Matelo, elle n'est pas non plus très facile à vivre. Ces deux Pokémon représentent les deux objets les plus brillants du ciel. Ils ont des attaques et une attaque Z unique, ce qui les différencie de tous les Pokémon. Top 7. Ultra Necrozma, une combinaison légendaire. Prenez tout ce que nous avons dit sur la dernière entrée concernant le Solgaleo et le Lunala. Puis, considérez le fait qu'Ultra Necrozma peut prendre le contrôle et fusionner avec ses deux Pokémon légendaires. Et vous avez la recette du numéro 7. Peut être quand même puissant. Numéro 6. Mega Mewtwo X et Y. Un Pokémon créé pour être le meilleur. Mewtwo a été créé artificiellement pour être le meilleur des Pokémon. Et sa forme Mega le rend encore meilleur. Bien qu'il soit pas aussi fort qu'un autre Pokémon légendaire, en ce qui concerne les Pokémon normaux, il est le MVP total. Bon, je ne sais pas trop ce que dire le MVP total. Si vous savez, dites-moi. Je ne suis pas renseigné sur ce petit détail. Top 5, Primo Kyurk et Primo Groudon. Nous arrivons à la moitié de notre liste avec la première entrée des Pokémon de la classe du Kyurk. Le seigneur de l'eau a créé la mer, tandis que Groudon, le seigneur de la terre, a créé la terre, ce qui est logique. Tu vas pas me dire que le seigneur de la terre a créé le feu, quoi. Inutile de dire que ce sont des puissants absolus. Après tout, ils ont eu une fonction importante dans la formation de la planète. Il faut bien succomber à tout. Top 4, Mega Rayquaza. Un des Pokémon les plus cool. C'est peut-être une préférence personnelle en ce qui concerne l'apparence de Mega Rayquaza, mais je pense que vraiment il est l'un des Pokémon les plus cool qui existe. Peut-être pas aussi cool que moi. Nous avons déjà parlé des seigneurs de la terre et de l'eau, et maintenant je présente le seigneur du ciel qui amènera la pluie, le vent, les nuages, l'orage. Il a été fait pour arrêter les combats entre les Pokémon de notre dernière entrée. Il est donc les niveaux de puissance de Kyogre et Groudon combinés, tout simplement. Top 3, Giratina. C'est là que la controverse commence vraiment. En tant qu'homme qui a une grande expérience de la rédaction de listes de ce type, je sais deux choses avec certitude. Que faire ces listes est incroyablement difficile, exactement. Qu'il est impossible de plaire à tout ce qu'ils lisent, et même à regarder. Cela dit, c'est le top 3. Donc c'est naturellement là que commence la controverse. Pour la médaille de bronze, j'ai choisi le seigneur de l'antimatière, Giratina. Ce Pokémon contrôle l'antimatière et le monde, la distorsion, dans lequel il a été banni dans son instabilité et sa force incroyable. Top 2, Dialga et Palkia. Les premiers-nés Dialga et Palkia sont les seigneurs du temps et de l'espace. Ils sont les premiers-nés d'Arceus, aux côtés du numéro 3, Giratina. Leur fonction vous dit à quel point ils sont puissants et génère l'univers entier. Par rapport à ces deux-là, Giratina est tout simplement trop instable. Et que sont la terre ou la mer sans le temps et l'espace? Cependant, je ne peux pas classer l'un de ces Pokémon au-dessus de l'autre. Ils devront donc se partager la médaille d'argent pour pas faire de jalousie. Top 1, Arceus, le premier et le dernier de la liste de ce top 10. Arceus a été le premier Pokémon qui ait jamais existé et il sera probablement le dernier. C'est littéralement Dieu dans
dans l'univers Pokémon. Que demander de mieux? Si vous voulez appeler Dieu, appelez Arceus dans Pokémon, bien évidemment. Sur ce, c'est la fin de ce top 10, j'espère que ça vous aura plu. C'était un plaisir de vous faire ce top 10. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager tout simplement. Et je vous dis à la prochaine.